est traversée par l'amour, son empressement à rendre visite à sa cousine Élisabeth. Marie et Élisabeth se rencontrent. Chacune reconnaît et atteste dans l'action de Dieu l'un chez l'autre. Elle nous montre comment la présence de Dieu et la présence à autrui ne sont pas incompatibles. Élisabeth est entraînée par l'audacieuse confiance de Marie, par son oui sans concession. À la suite de Marie et d'Élisabeth, entrons dans la joyeuse monde de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Nous célébrons le quatrième dimanche de dimanche de la mort. Nous avons tout droit avec la prophète de Noël. Et l'Église nous invite à prendre la communion. On aime notre foi, on aime et cette acceptation sans condition dans cette histoire du Seigneur. Il a dit au Seigneur pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Frères et sœurs, nous parlons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et ceux de ses frères qui resteront
Thank you.
La robe de visite à sa cousine Elisabeth, celle qui était stérile, elle a trouvé grâce au prix de Dieu et il a succédé à mon nom. Depuis qu'elle a eu la nouvelle d'un mauvais enfant, Marie de son côté, elle a aussi eu la nouvelle d'un homme. Thank you.
Et l'ensemble
les gestes qui soulagent et la pitié qui réconforte. Prions le Seigneur. Thank you.
Thank you.
est digne de recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Après avoir reçu le gage d'adoption éternelle, que tout puissant nous prions, à vous approcher au jour où vous faites avant les saluts, d'un bon ferveur de plus en plus grande, vous soyez bénitement le mystère de la Trinité de ton Fils, mais qui nous éclaire pour les siècles des siècles. Voilà, je voulais simplement vous rappeler qu'il y a ici le jour de Noël, le 25 décembre, et elle sera vite en souvenir à Jacques. Nous avons en notre possession la finale de Jérusalem. C'est une grande finale de Jérusalem qui est inscrite dans les paroisses et dans les maisons. Si vous en avez besoin, en prendre pour un professeur chez vous, distribuer autour de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que nous puissions nous bénir, c'est mon cas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons.